à tous et à toutes, je suis Anus et aujourd'hui suite de Breath of Fire. La dernière fois, il s'est passé trop de choses, donc je vais essayer de m'en rappeler assez rapidement. Nous avons donc fait un petit voyage jusqu'à Auréa pour libérer une fille, enfin une dame qui était dans les catacombes en dessous du château quoi. Et ensuite nous sommes allés revoir le roi, on a utilisé le miroir dessus, il a vu sa femme, il était content, et donc du coup on a eu un bateau pour lequel j'ai dû faire un aller-retour dans une grotte. Et puis après on a battu des gens, on s'est fait accoster par des gens du dragon noir, ils ont coulé le bateau, on s'est donc réfugié sur une île, et puis Gobby était venu avec nous, et on le contrôle, voilà. C'est résumé très rapidement, si vous avez le temps, vous pouvez regarder l'épisode antérieur à celui-ci, afin d'en savoir un peu plus. Et donc nous sommes Gobby qui, je le rappelle, a une superbe tête bof, une tête bof en fait, et je sais pas où je dois aller, donc du coup je me promène. Ah, la musique de combat change, ce qui est vraiment mieux que celle que je me tape en boucle depuis un bon moment. Je me bats contre un tentacule. Et Gobby se bat avec un trident. Yay. Et là y'a quoi? Je veux savoir ce qu'il y a. Bon bah t'as pas un sort rouge. Non. Bon bah y'a rien. Et là Gobby meurt. Enfin Gobby va mourir. Entre deux cactus, trois cactus. Donc va-t-il fuir? Oui, il fuit. Ah, c'est bien parce que le jeu nous dit, ah bah en fait, lol. Tu peux mourir qu'en combat. Voilà, et Gobby est mort et tout ça, c'est très bien. Game over? Je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis. Prima. Est-ce que ça veut dire que je suis obligé de crever pour arriver à cet endroit? Quoi? Mais quoi? Mais hein? Mais d'où que je suis? Bon bah je vais quand même aller voir ce qu'il y a. Oh! Une armurerie. C'est trop cool. Cependant, ah, même si Gobby, je vais pas le garder parce que je sens qu'on va me la faire à l'envers. Je vais quand même l'équiper de 2-3 choses. Non mais on va me la faire à l'envers de toute façon. Ah, par contre, il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette ville. J'y retournerai avec l'équipe. Enfin, avec la team habituelle. Bon, une INN, un truc, une plume. Oh, on peut changer de nom. Ok. Bah écoute, c'est un peu tard. Enfin, si quand même c'est un peu tard. Là il y a une autre auberge, là il y a encore plus de marchands, là il y a du... Oh, il y a du thé. Oh. Du thé. C'est un bar. Ok. C'est donc un bar. Un bar pépère posé. Ça, c'est la sortie. Ah ah. Et là, c'est quoi? C'est une tête de poisson rouge. Une guilde. Bonjour. Ok, y'a quoi ça? C'est quoi?
spoiler, c'est juste un mec qui dort. Et donc je dois aller à Gant. Donc c'est une ville sous l'eau. Oui. D'accord. Ah, la musique des du combat dans la mer est vachement bien. On va utiliser des sorts. Waouh, une attaque de petits poissons. C'est tellement... Ah, mais tu sers à rien. Tu sers tellement à rien. T'es un putain de faible. Ah, mais même avec plus 50 de défense, c'est toujours un faible. Incroyable. Ce personnage est inutile au possible. Ouais, donc... Donc, en fait, Gobi, c'est... Non, il sert à rien. Il sert juste à rien. Non, mais c'est bon, j'ai retenu le jeu. Il est inutile. C'est un personnage inutile. Et là, d'où que je suis? Je suis... là. Ok. Très bien. D'accord. Je sais pas où je vais. Ah non, c'est la musique avec Gobi. D'accord. Ah, au moins il résiste à des créatures pareilles. Que suis-je obligé de battre? Évidemment. Obligé de battre. Eh, je ne sais plus parler. Ouah, trop d'expérience. Je sais pas où je vais. Si, il y a des arbres ici. Oh mon dieu. Waouh, c'était dur et compliqué. Et plein d'autres choses. Il y a des arbres. Et là, je suis à Gant. Gant, d'ailleurs. Qui a une musique réutilisée d'ailleurs. Non, parce que je pense que les musiques, il y a des musiques réutilisables partout. Il y a personne à Gant. C'est quand même dommage. Ouais, très bien. Bah oui, pourquoi pas. Là sert à rien, là c'est une maison, là d'autres maisons, là il y a une maison sur une autre maison. Et là il y a un mec. Ah vraiment. Oui. Ouais, mais deux secondes, je fouille déjà. Ok, il y a rien. J'obtiens. Bien. C'est cool. Au moins tu sais ce que c'est. C'est bien. Détonne. Ah non, c'est pas détonne. J'ai rien dit. J'ai quand même essayé de fouiller toutes les maisons. Parce qu'il y a personne dedans. Voilà, on est sorti. Je vais faire une petite accélérée pour vous éviter de supporter à chaque fois le fait que je visite tout et n'importe quoi.
Fuite. Fuyons, revenons à Prima pour la petite quête. Petite quête nulle, petite quête secondaire. Alors fallait aller légèrement à gauche et tout en haut. Parfait, je me souviens de tout. Incroyable, j'ai envie de crever. Alors, le chef de guilde. Le chef de guilde. Ouais, alors là, par contre, l'effet est absolument dégueulasse quand on court en haut. Oui! Oh, oui! Yes! C'est trop cool! Qu'est-ce que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, je ne sais pas. Mais vas-y, mais... Allez, vas-y. Incroyable. Je sauve la vie de ces personnes. Ça vous fera 4000 boules. Non. Alors, je vais quand même sauvegarder. Sauvegarde. Sauvegarde. Ici. Petite sauvegarde. C'est important. Alors après, faut que je retrouve où que j'étais. Je sais pas où j'étais. C'est trop bien. Enfin, je sais pas où je dois aller tout court. Mettons par là. De toute façon, il n'y a pas 36 chemins. Non mais je... Fuite. Fuis. Fuis, petit monstre. Oh, cet homme est si faible. Et ben voilà, je suis remort. Ah là là, oui, prends ton temps, Gobi. Sois une merde. Non, sois une. Parce que sois une, ça ne s'accorde pas. Sois un caca, Gobi. Ici. Incroyable, du premier coup, une chose qui n'arrive quasiment jamais. Bon, toi, ici. Ah, il m'emmène directement? Non, très bien. Ah! Ah! On sera donc 8. Alors non, Gobi, tu dégages. Tu es inutile. Tu vois, position. Non, toi tu es là. Toi il va là. Non, Nina il va là. Garn il va là. Voilà, et voilà, changer. Toi il va là. Voilà, parfait. Impeccable. Oh mon dieu, les branches se fixaient. On respire sous l'eau. Wouh! C'est une joie infinie. Par contre, c'était pas la posture que je pensais avoir. Je suis un peu déçu. Du coup, faut juste que j'inverse Karn et les postures de tout le monde. Et aussi que j'achète du matos. Karn level up. Je vais changer la position. Devant, arrière. Non. Devant. Arrière, c'est bon.
Par contre, la logique qui va pas, c'est que techniquement, je peux mettre 8 personnes en combat. Techniquement. Ah, les armes. Et il m'en faut plein. Genre ça. Un comme ça. Ah. Je ne peux pas porter plus, tant pis. Ça, oh, c'est tellement bon. Alors un bouclier, oh, masque facial plus 10, pas mal. Un bouclier, un casque. Acheter un casque. Et toi, bah t'as rien. Non, si, bouclier, casque, crâne. Et voilà. Maintenant, on va vendre des trucs. Vendre tout mon équipement inutile. Ah, c'était pas le bon bouclier, lol. Merde, pas grave. Voilà. Non, reviens, reviens, j'ai fait une erreur. Reviens, j'ai fait une erreur. Que comme 3. Voilà. Oh, ça booste bien ça. Non, c'est toi. Dans l'autre, je vais booster tout le monde vu que. Je vais très sûrement, non d'ailleurs je vais utiliser à chaque fois du petit glitch de d'argent. Alors, on va voir. Oh, herbe X. J'ai plus de page, je sais pas comment je fais. La canne, franchement, je sais pas à quoi ça sert. Le bois, à quoi ça sert, je sais pas. Ah oui, tout ça qui est extrêmement utile aussi. Mais pour les objets utilisables en combat. Qu'est-ce que je peux utiliser aussi? Chien, j'en ai, vie, j'en ai plein. Et les soins, j'en ai plein. Je pense dire que je suis à peu près bien. Donc on va aller aider Bats of Fantôme. La musique est tellement calme. Que tu vois, elle est elle-même. C'était pas là. C'était à quelle auberge? Ici. C'était à l'étage? Je sais plus où c'était. C'était pas ici. Peut-être le café. Pas de café. Ah, ça doit être ça. Ce grand bâtiment. Peut-être. Elle est trop grande cette ville, c'est n'importe quoi. Une armurerie. Oulala, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais il y a trop de choses. Bon bah, je fais mes courses. Ouh.
enfin un truc utile. Moi je fais les courses. Encore une armurerie. À force, ça va se voir que vous vendez les mêmes choses, écoutez. Évidemment, c'était cette auberge. Évidemment. La mort. Je vais te tuer. Et voyons voir les nouveaux dégâts. Allez, petit 33. Ok, c'est comme 6. 63, pas mal. 46. C'est quand même 3 fois plus puissant qu'avant. Je vais utiliser un des objets là. Ah, contre, pas mal. Critique à 100. Pas mal, franchement. Pas mort. Oh. Voilà, même pas choqué, tu vois. Mais c'est qui résiste, le bougre. Il résiste bien, dis donc. C'est vrai qu'il a autant de points de vie que l'autre boss, là, il y a plusieurs épisodes. Sauf que lui, il avait vraiment beaucoup d'attaque. Ah bah, il est mort. Bon, niveau 19. Pas mal, tout ça. Alors, le vieillard est sauvé. Ah, je suis mort, alors que je suis la mort. MDR, débarre. Ce qu'il s'est passé... Waouh, gros. Grosse révélation. Yay. On sent mieux pourquoi le c'était rouge. Youpi. Je sais pas qui t'es. Il s'appelle... Ouh. Ou toi t'as l'air d'être un tank qui t'appelle Ox. Je vais pas te mentir, t'as un équipement de PD. Enfin, t'as un équipement faible. Faible. Ce que je te propose, c'est d'aller dans ce superbe marché, trouver l'armurerie, et on va mieux t'équiper. Je vais te garder quand même un petit moment. Déjà on va te mettre un joli Ouais non, on va peut-être retourner à l'autre armurerie. On va retourner à l'autre armurerie. Celle-ci, on va t'offrir un meilleur équipement. Parce que très franchement, tu pues. Voilà, genre ça. Un bouclier. Un casque en or. Et puis ce sera déjà pas mal. C'est avec ça déjà. T'es pas OP. Par contre, Bobby, tu dégages. Non. C'est... Ah, lequel j'enlève? Bah. Charme. Équipé.
Voilà, déjà 118 c'est pas mal. 126 de défense c'est pas mal. Un petit casque à 140 de défense. Voilà. Je pense qu'on est bien. Cependant, avant de se quitter, on a un compagnon qui a quand même une capacité assez forte. Je ne peux pas utiliser ça ici. Oui, je suis en ville. On va retourner à quelques endroits afin de faire deux, trois petites choses. Ah, d'accord, impossible, donc il faut que je sorte de l'eau. Très bien. Très, très bien. Ah, voyons voir ce que tu vois en attaque. Petit monstre, là. Petit monstre. Et tu mets du combien avec ce super marteau? Petit 45. Ah, ça va. Ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas dégueulasse, hein. Donc du coup, téléportation. Et je vais retourner à... comment ça s'appelle déjà? Ah, je sais plus où c'est. Ah, oh, rien, voilà. Normalement, si je me souviens bien, il doit y avoir un pont qui est pas loin. Au pire, je fais ça en off. Je ferai ça en off et je vous expliquerai ce que j'ai fait. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Même si je sais que Breath of Fire, c'est assez long et assez répétitif parce qu'il y a beaucoup de combats, certes. Si vous avez aimé, je vous invite donc à liker la vidéo, à la commenter, à la partager si vous voulez, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Merci à tous. Bon jeu et à la prochaine sur Breath of Fire.